Bonjour et bienvenue, on continue plus de Ragnarok. Donc on va faire du secondaire. Là. On va faire du secondaire, on va faire la tombe de Svartalfheim, donc ici. Donc on va voir un peu ce que ça nous donne. Chaque fois je me dis Svartalfheim c'est où? Svartalfheim. Chaque fois je me dis waouh, on va faire une tombe, c'est fun et tout. Bon, c'est fun, mais ça peut aussi dire que après le premier et le deuxième combat, on va dire, en gros... On retourne à Svartalfheim ? On a toujours besoin de nouvelles ressources. C'est parfait. Après, on risque de se reparler, genre, personnellement, ça va être sûrement dans 2 heures, parce que le combat va est difficile et ça va me prendre du temps. Donc, il y a un peu le... La peur de ça à chaque fois que je fais une tombe. Mais bon, maintenant on est quand même plus fort, donc ça va. Ah, je regardais un streamer, vite fait, parce qu'il est un peu plus avancé. Attends, on est au bon endroit. Il est un peu plus avancé que moi, donc j'avais pas envie de... Par là-bas. De me faire spoiler l'histoire et tout ça. Et c'est... comment il s'appelle? C'est Anthony Kongfan. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Ah, c'est un streamer anglais. Ah, plutôt cool, plutôt cool. Et lui, il joue... Mais il joue très différemment, en fait, de moi. Ça, je trouve ça intéressant, en fait. C'est pour ça que je le regardais. Ah, il joue donc le petit bouclier pour parer. Oh. Donc il joue le petit bouclier pour parer. Et surtout la lance. Et il fait très rarement les runes en fait. Il fait très très rarement les runes et tout ça. On joue extrêmement différemment. Moi je spam les runes et tout. Et lui non. Lui pas du tout. Bon, t'es prêt? Putain, ça va être... Ça va bien se passer. Edvard le Farouche. Pas trop ce qui se passe. Ça m'a secoué le pute. Oh la pute fois 2 quoi. La pute fois 7 quoi, merde. D'accord, ils switch. Ça me rappelle les deux sœurs avec l'autre là. Ils switch en fait. Ils attaquent Atreus, puis après moi. Et ça va. Mais j'ai pas l'impression de leur avoir fait beaucoup de dégâts en fait. C'est ça qui m'embête. J'aime pas l'attaque de feu. La nouvelle attaque de feu pour Mami. Derrière toi, regarde. Brisé. Ça doit faire mal, frère. Va bien. Mais putain de quoi, quoi. Viens,
Merde. On va enlever l'attaque de feu, je l'aime pas du tout. Au final. Attends, on l'a augmenté pour rien. J'adore gâcher mon expérience. On va reprendre ça. Bon. On va se revoir dans une heure et demie peut-être. Le phare rouge. Oh!
Des similitudes, en effet. Il y a une différence. Tu ne maudissais pas les Valkyries. J'apprécie ton attention, mon frère, mais tu ne connais pas toute l'histoire. J'ai connu la douleur de la trahison, et je sais ce qu'apporte la vengeance. J'espère pouvoir t'épargner une telle déception. Oui. Il m'a quand même coûté 5000 pièces. Bon, ça va, on a 410 000, donc ça va. Mais il m'a quand même... Cette saloperie m'a quand même coûté 5000 pièces, putain. Il m'a tué juste à la fin, alors qu'il lui restait genre un millimètre de vie. Ah là 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 là. Bon, ça va, ça m'a pas pris trop de temps, 50 minutes, bref. Sinon, notre bill fonctionne bien. Putain, je suis quand même dégoûté avec le mec qui m'a quand même... C'est pour ça qu'il faut quand même avoir une pierre. Il faut quand même avoir une pierre sur soi. Juste au cas où si ça arrive. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, talon des 9 royaumes. Ouais, donc on fait le maestrum. On a glissement du royaume. Cool. Cool, cool, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On en a eu combien des trucs du coup maintenant? 9 royaumes en fleurs. Une arme royale avec les âmes de berserker. 11 sur 12. Il nous en manque une de tombe. Je sais pas du tout où elle est. Jotunheim. Alheim, il n'y en a pas. Vanheim, on l'a fait. Alfheim, on l'a fait. Niflheim, épreuve. Non. Muspelheim, c'est ça. Et Midgar. Du roi. Est-ce qu'il faut aller au roi ou pas? Est-ce qu'il faudrait pas aller au roi? Putain, je suis quand même dégoûté. Il m'a coûté les 5000. Je voulais le faire sans crever, sans rien. Puis au final, je suis quand même mort. Ah, ça m'emmerde. Ah, j'avais presque... J'ai hésité avant de l'utiliser, j'avais même envie de recommencer le combat. Parce que ça m'a un peu dégoûté. Mais bon. Vu qu'on a fait les cristaux, tout ça, on a plein d'argent, donc c'est pas très grave. L'important, c'est de l'avoir fait. Est-ce qu'on doit pas aller... du coup, à Midgar... À la tombe du roi. Parce que là, il n'y a plus de tombe, c'est fini. Hein. Par contre, je voudrais bien faire Muspelheim. Je voudrais voir si on peut ou pas.
Alors, Muspelheim. Bien. Voyons donc dans quel trou de Muspelheim mène cette graine. Je vais voir si on a assez de... C'est assez de niveau pour le faire. En théorie, avec la tempête du Bifrost et tout ça, ça devrait être ok, je pense. Ça fait des bons dégâts sur les boss. Hein. J'ai pas eu trop le temps de voir. Faudra que je regarde quand j'édite la vidéo. Mais la vie fond bien, je crois bien, avec le Bifrost. Ah, j'ai remis les shuriken Bifrost aussi. Honnêtement, je pense que c'est les mieux. Parce qu'ils avaient tendance à esquiver mon attaque, en fait, avec l'électrique. Notre lance. Je pense que je peux te l'améliorer. Yep. J'espère avoir fait honneur à la dame. Ouh, elle est jolie. En or et tout ça, avec la décoration. Vraiment classe. Il était temps que je m'occupe. Cendre divine. Putain, je les veux, quoi. J'en veux, là. Je dois bien finir, là, notre... objet spécial ressources. Donc, pierre de résurrection du berserker. De berserker. Ouais, on a 405 000. Ça va, normalement. Je rembourse pas. On va pas avoir de problème, mais bon... Ça me fait chier. Allez, on est parti. Tire fort. Oh, c'est quoi ça? Attention! Tiens pas! Putain de toi. Esquive. Ok, très bien. Ça va exploser. Faudrait que j'en garde un peu de la rage. J'utilise beaucoup. Bon, ça va. Ah non, pas les ailes. Derrière toi, père.
Ah, putain, il y a pas... Derrière toi, mon frère. Eh ben... Je devrais essayer de les renvoyer. Pouvoir. Attention à gauche. N'y arrive pas. Très bien. Oh merde. Ça passe bien pour le moment, on n'est pas trop... C'est stressant hein, de faire attention. Très bien. Il fait mal à Atreus. C'est parti. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Pas grave. On fait une tempête sur lui, c'est marrant ça. Ah!
Bien joué. L'empaleur. Poison. Mon dieu. C'est un carnage. Ça pète. Merde. C'est pas ça que je vais faire, c'est pas grave. Du poison vient d'en haut. C'est ça, du poison vient d'en haut. Prends les chiens. Putain. Il m'a fait peur. Derrière toi, en garde. Qui a le pas. Derrière toi, en garde. Je fais de la merde. Attention à droite. Attention, dans les airs. Il fait très mal, Atreus, comparé au premier jeu, quand même. Oh, on a fini. Je pensais... Ouais, ok, je faisais pas attention. Ah, ça, c'est super bien passé. Yes. Ah, je vois. Selon l'ordre dans lequel nous terminons les défis, la récompense finale diffère. Oh, d'accord. Si on termine les défis dans un autre ordre, la récompense changera. Oh merde, sérieux? Faut tout refaire du coup? Pourquoi il fait toujours si chaud ici? J'ai faut tout le refaire dans un autre ordre? Putain, tu fais chier. Alors, là on a eu une deuxième braise. Ça c'est bon. On s'en fout. 2 sur 3. On va voir ce qu'on peut faire. Ah voilà, là ça m'intéresse. Donc est-ce qu'on l'augmente ou pas? Je pense. Hein. On l'a mis à 9, hein, je pense.
Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Ah, très bien. C'est quoi la l'armure qu'on a eue? Braise éternelle. C'est ça, braise éternelle? Braise éternelle 2. Et est-ce qu'on a le troisième ou pas? Surte. Les attaques reportent ses ennemis pendant qu'il l'attaque, l'inflige des dégâts supplémentaires. Ah non, c'est ça. Je crois qu'on a eu. Une armure lourdement renforcée qu'on dirait comme un élan digne de Surte lui-même. Ça fait beaucoup de vitalité. Fais voir un peu la différence. Beaucoup de vitalité et de force. Les attaques de Kratos portées à ses ennemis pendant qu'il l'attaque infligent des dégâts supplémentaires. Ouais, ça a l'air un peu. Épaulière de chasseur. Parfait. Et après, ça, c'est les trucs de géant. Alors, armure. Ouais, brûlé de Surte. S'attaquant Kratos Force. C'est nul. Honnêtement, c'est pas top. On dirait un samouraï par contre. Alors. On a eu quoi? Dégâts. Non, éléments. Et là, on a eu ça qui a augmenté. Ça, c'est top ce truc. Dégâts. Ça, c'est pour faire des dégâts surtout. C'est pas vraiment pour faire de l'étourdissement. Ok. On est. Ça marche. Donc on a l'armure au max. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce que ce sera? Un besoin spécial? On peut mettre sol au maximum aussi. C'est pas mal. C'est vrai que c'est 48 de vitalité. Quand même important. Ou alors la berserker au max. La berserker au max, elle est pas mal non plus. Elle est vraiment pas mal. On peut pas faire le bouclier, putain, attends plus. Non, non, on a 2 sur 3. Oh, c'est bon. J'avais rien de mieux à faire. Bon, du coup, on fait quoi, nous? Parce que moi, je me rappelle pas du tout l'ordre que j'ai fait. On va faire de gauche à droite. Ah bon, on va faire du secondaire hein, pendant ce... Il y a quelque chose qui peut nous dire? Mais t'es sérieux, faut vraiment les faire et on fait ce qu'on veut, c'est ça? Il y a pas un code? FR... NF... Ouais, j'en sais rien. Un truc rapide. Alors... Miner tous les ennemis dans le temps imparti. C'est bien. Parti. Tire-toi!
crois qu'on les tue vite. Ça va exploser. Derrière toi, regarde. Je crois qu'on les tue quand même assez vite. Pas sûr. Qu'est-ce qu'elle pue. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Je suis en train de taper avec la hache dans la main, c'est marrant. Elle est où? Le métal s'écoule des trois épées. Allons voir la plateforme centrale. Ah, ok. Peut-être qu'il faut juste en faire une, je sais pas, je comprends pas comment ça marche. Mais bon, on a le niveau donc autant. Vase ardente, yeah. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? Alors, normalement. J'ai le sillon en nage. Bouclier. Non. Qu'est-ce qu'on a eu du coup? Quand tu veux. Oh merde. Je sais pas, on a eu une braise mais j'ai pas fait attention apparemment à ce que c'était. Bah non, ça marche pas. Putain, il me dit de la merde en plus, machin. Atreus. Je suis pas très fan de faire ça à chaque fois, les ennemis se rendent plus vite de leurs blessures. Ouais, on va les foutre dehors. Allons-y. Des soldats, viens me battre. Très bien. Bien ce. Pas chiant, c'est bien. Bifrost, tue-toi. Mal. Oui. C'est débile, ce truc.
Eneria, sur la gauche. À gauche, attention. On fait encore un test. On fait encore une épreuve, puis après on fait le centre et puis après on arrête. Après, on va tourner en rond, ça devient un peu relou. Reste brûlante. Cendre divine. Pourquoi c'est fermé là ? On a fini ? F et N. FR. Bon bah go. Putain, ça stop. Ça passera. Non.
J'essaye d'avoir de la... Oh, et puis merde. Ah, mauvaise arme. Ça te fatigue, moi. Dessus, mon frère. C'est juste cette brûlure, cette chose. Nique-toi. Allez, c'est reparti. Oh la vie, comme elle... C'est ouf. À ta droite.
Derrière toi, attention! J'adore les coups avec les lampes. Derrière toi. Attention, elle a piqué une pierre de rage. Mais elle, la pute, elle me... Ah mais ça bouffe les pierres, ces trucs. Oh putain, on en apprend tous les jours, quoi. C'est énorme. Tu t'es fait bifrosser. Je sais pas si ça se dit. T'es fait bifrosté. Coup de bouclier. Est pas prête. Si c'est bon. Mon dieu, les dégâts. Tempête de Bifrost. Oh, j'adore. Cendre divine. Ça va, on a plein de trucs. 45 000 d'argent, ça va. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? Et force de Muspelheim. J'ai le cool. Sillon en nage. Oh la vache, putain, ça fatigue. Mais c'est fun, honnêtement. C'est fun de combattre avec la lance et tout ça. Yes, on a 3 parties de Muspelheim. Donc, bonus ensemble dans le dégât. Des attaques corps à corps infligées par Kratos quand la jauge de Perma, Imo et Maelstrom sont pleines en fonction de son pouvoir unique. C'est pas mal, mais je sais pas si c'est vraiment utile pour nous. On joue pas vraiment avec la jauge. Il y a ça qu'on peut changer en fait, l'étourdissement. Mais honnêtement, je vois pas pourquoi on changerait. Parce que l'étourdissement c'est utile partout. Alors, la lance. Ah, on l'utilise beaucoup la lance. Très bien. J'ai 11 000 d'expérience. Je voudrais récupérer. J'en sais rien en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'elle tape plus vite en fait quand on a ça. J'ai l'impression que je tape plus vite à la hache en fait. Depuis que j'ai pris le dernier niveau là. On verra. Allons-y. Alors, est-ce que je peux monter un truc ou pas? Ah. On peut faire le manche d'acier. Ok, ça c'est bien. Ça c'est déjà au max. Bouclier. Ouh, bouclier au max.
Il y en a qui vont souffrir. Poképhone d'après le grand mur d'Asgard. Nickel. Quelque chose pour le petit ? Alors, tu as fait ton choix. Ouais, ça. Vestige renforcé, je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça sort. Oh, vache! Et le petit? Qu'est-ce qu'il te faut? Ben voilà. On est presque au max un peu partout en fait. Hein. Il était temps que je m'occupe. On est presque max partout. Je sais pas si on a des armures qu'on pourrait augmenter au max. L'armure, la cuirasse de Berserker peut-être. La cuirasse de Berserker, ce qui est marrant, c'est que même si on n'utilise pas genre le coup des reliques là pour augmenter les dégâts, les stats en fait en par elles-mêmes, elles sont vachement bien. Il y a quoi là? On va voir un peu si on met ça. C'est pas mal ça aussi. On a 400 de défense, ça tue. Ça tue, ça tue. Oh. On serait au max de défense, ça tue. C'est énorme. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut mettre plus ou moins n'importe quelle armure maintenant, parce qu'on est, on a vraiment tout augmenté, vraiment assez élevé. Donc on peut monter ce qu'on veut. J'ai bien envie de mettre la Berserker et la Sol au maximum. La Surt, je vois pas vraiment l'intérêt honnêtement. Alors 28, 28, 48. Ouais, cuirasse de Berserker. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Et la Parfait. Sol. Parce que la Sol, elle est très simple, elle marche la très vache, bien en fait. Je suis beau ou pas? Et après, il faut des bras ardents encore au niveau. La seule chose que je me vois changer. Honnêtement, rien. Enfin, non, honnêtement, non. Faut qu'on joue comme ça jusque. Sans rien changer. Dégâts de bouclier et parade. Ouais. On perdrait de la chance en fait avec l'équipement de l'étoile déchue en entier. Mais on gagnerait énormément de runes et de vitalité. Donc c'est intéressant. Ça aussi c'est joli. La braise éternelle. C'est très joli. Mais c'est pas intéressant ce qu'on met. Bon ben voilà. L'épreuve du creuset, 9 sur 15. Ah, j'ai pas envie d'en refaire. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui,
celle-là. Non, on va pas en refaire encore. Ça va me fatiguer. On va faire autre chose. Enfin, j'en sais rien en fait. Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Midgar. Il y a du nom découvert un peu partout. Sanctuaire des bois. Starfire, on l'a fini. Sauf les choses qui manquent. Genre du nom découvert. Elheim 100%. Vanheim quasiment 100%. Ce qui manque, c'est du nom découvert. Niflheim. Il faut les corbeaux. Mais qu'est-ce que je vous dise, moi? Après les épreuves du creuset. Bon, bah, on continue. Allez. On va faire full combat cette vidéo. Et la prochaine fois, on. Oh, tiens, il y a ça. La prochaine fois, on fait de l'histoire. Cible éliminée. Attention, frère. Tu es couvert de bifrost. Attention à droite. Donc la tempête de Bifrost s'arrête quand on est en animation. J'ai remarqué ça, que quand on était en animation ou quoi que ce soit, la tempête de Bifrost s'arrête complètement. Ça c'est très très bête. Dans le sens inverse cette fois. C'est un peu mal fait ce système d'épreuves. Enfin, les épreuves en elles-mêmes elles sont bien, mais après là le faire dans le désordre, dans l'ordre, ça change. Je sais pas, c'est très bizarre. Attention, à gauche.
Putain de carnage quand même. Esquive. Ça me fait marrer. Ouvre la Nuken, c'est elle qui les rend si forts. Derrière toi. Le plus long au final, c'est vraiment le centre, hein. C'est un peu même relou à faire. C'est même un peu relou. C'est quoi ça? Des vestiges. Allez, c'est reparti. Épreuve ruée de boss. Ah, ok, ça a changé. Let's go. Ok, donc on a l'endurance, ruée de boss, et après on a sûrement autre chose encore. Oh,
Putain, merde. J'avoue que ça m'a secoué aussi. Oh putain, de ta mère. T'es qui toi hein? Ah, c'est le mec de... On a combattu en plus il y a pas longtemps. T'as mis coup de bifrost. La ruée de boss, c'est pas mal. Au final, 2 sur 6. Oh la vache. L'armure lourdement renforcée. Non, on l'a pas celui-là. Kratos subit moins de dégâts et résiste mieux aux attaques déstabilisantes lors de ses compétences et ses attaques de base. Ouh. Ah oui, c'est la truc de sorte. Ah, ça c'est pas mal ça. De ses compétences et ses attaques de base. Genre tout le temps, quoi. Ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse, oui et non, parce que... Encore une fois, le coup du... des pierres, voilà. Putain, mais c'est relou, il faut... Alors, je vais être honnête, je fatigue un peu. Là, on va faire les deux de côté. En fait, faut noter ce qu'on a fait, quoi, c'est relou. Ça. Je te soutiens moralement. Viens pas. Regarde!
Oh, les chiens, ils peuvent mordre en fait. Je crois qu'on lui a fait un peu trop de dégâts. Quoi comme élément électrique? Il est où le papier? Je crois qu'après celui-là, je m'arrête. Nous sommes fatigués. Amalgame, éliminer tous les ennemis. C'est nouveau. Par contre, c'est un peu dur. Un projectile. Ouais. À gauche, mon frère. Attrape-les quand ils brillent. Ah!
Y a pas de pierre. Tiens fort. Voilà une ouverture. Profite-en. Nico. À l'attaque. Tu dois déjà le savoir. Il doit s'occuper des sources. Il est où le machin? J'étais sûr que j'allais me prendre une attaque dans le cul. J'ai fait de la merde. Ah, quel débile. Je me concentrais trop. Pourquoi ? Putain, des fois, il... Tous les amalgames qu'on a fait, il fallait... les toucher une fois. Et là, il fallait lui remettre la barre. C'est pas grave. Enfin, si c'est grave, ça va me gaver si on perd. Il est rapide! Putain de toi, quoi. Ça passera. Oh, putain. Je commence à fatiguer. Je commence grave à fatiguer. Je m'arrête après celui-là. Pulverlaube.
Atos. Ça passera. Oh la pute. Toi quoi. Les sources mon frère, vite. Derrière moi. Oh mon dieu. Ah bon commencement. T'occuper de ses sources, frère. Viens pas. Putain, sérieux, je l'ai... Merci, merci de m'avoir prévenu, putain, les gars. Oh la vache. Oh, elle mérite la récompense, hein, la vache. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? J'ai le sillon en nage. Parfait. 45 000 d'expérience, c'est bien. On a perdu une... On a utilisé notre pierre ou pas? Je me rappelle même pas. On fait voir un peu... Du Muspelheim, c'est rouge. Ok. Chance et pouvoir unique. Ok.
Ok. Oui, c'est ouvert. On va voir ce qu'on peut faire. On a 424. Reviens si tu veux d'autres trucs. Les pierres de résurrection berserker pour nous, vu qu'on fait le courroux, c'est pas ultra utile. Le mieux, ça serait la fureur en fait. Quand on fait du berserk, on est plein du coup. Alors, épreuve du creuset, 12 sur 15. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. On continuera la prochaine fois. On pourrait tester un peu la Berserker. Enfin, retester la Berserker. Devant nos compétences, elles sont à 52 secondes. 44 secondes. C'est pas mal. Alors. Ça faisait quoi le berserker, les parties? Ah oui non, je crois qu'on a qu'une seule partie pour le moment. Nous manque la prochaine tombe, la berserker, expérience spirituelle. Ouais, non, c'est pas intéressant. Bon, on va s'arrêter là, désolé, je m'endors un peu. La prochaine fois on continuera, je crois, Muspelheim, comme ça on finit. On est à 12 sur 15, je sais pas lesquels on a fait, lesquels il faut faire, c'est un peu la merde ça par contre. Donc on va un peu tourner en rond, mais on va récupérer tout ce qu'on peut, et récupérer surtout les récompenses uniques. Ouais, et comme ça on n'a plus besoin d'y revenir et voilà. On a le niveau en fait pour le faire sans vraiment grand problème. Donc autant en profiter et autant le faire. Voilà, à la prochaine, ciao.